Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. C'est donc parti. Et le ballon a franchi la ligne. Zagoès ! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il a trébuché sur cette intervention. Il décide d'allonger le jeu. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Tirard. Oh, voici Philippe Coutinho. Il joue dans l'espace. Un peu d'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. L'assistant lève son drapeau. Ah, quel dommage, l'idée était géniale. C'est bien donné. Tirard. Il relance, côté droit. C'est joué long, attention. Il y a danger. C'est un corner pour Fenerbahçe. La défense bien présente. Ça va sur l'aile. Il glisse le ballon en profondeur. Il est signalé en jeu. Cette passe en déviation avait surpris tout le monde, mais son coéquipier était hors jeu de quelques petites centimètres. La passe dans la profondeur. Martial ! Et ce ballon de la tête ! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? Moses. Et c'est directement récupéré. Il joue dans l'espace. Il est à distance de tir. Il n'est pas hors jeu. Il récupère le ballon. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Ça passera sur le côté. C'est joué long, attention. Oh, voici Philippe Coutinho. Van Persie, il peut frapper. Ouf, un peu d'air. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Marlon. Autour du gardien de jouer. De Rossi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Coutinho ! C'est joué long, attention. Le bon jaillissement. Le ballon est repoussé. Et c'est intercepté. Mehmet Topal. Oh, il a bien vu son coéquipier. Ah, ça n'a pas pu aller plus loin. Soldado ! Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Pour trouver la faille dans la défense. Soldado ! Repoussé par le poteau. Oh, dommage, c'était une bonne passe. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or.
Marlon. Tagoev. Martial. Il est bien placé. Il tente de la jouer dans l'espace. La passe est précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Il va falloir être précis. C'est dégagé. Coutinho. Van Persie. La passe dans la profondeur. Superbe tacle, il y avait danger. Coup franc. Philippe Coutinho. Oh, le voilà qui accélère encore. Van Persie. Il tire. Une frappe qui ne donne rien et pourtant, quelle occasion. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, Van Persie, il joue dans l'espace. Il est passé. Le duel. Allez, c'est dangereux. C'est un coup. Et voici l'ouverture du score. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. La faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Le gardien loin devant. Tirard. Oh, Soldado. Il glisse le ballon en profondeur. Tirard. Bien servi sur le côté. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Et le coup d'envoi de cette seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le bon dribble. La passe dans la profondeur. Sortie de but au corner. Corner. Ils préfèrent le jouer court. Bien servi. Oh, la frappe! Ils ont une autre chance. Oui, il frappe encore. Oh, le but! Égalisation pour le Fenerbahçe. Mais ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui, ça fait but. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Oh, Soldado!
Van Persie. Il tente de la jouer dans l'espace. Il joue dans l'espace. Oui, il peut frapper là. Il marque. Et ils prennent l'avantage. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Et le doublé. Et voilà, avec un petit but d'avance. Moses. Soldado. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Moses. Il y aura donc touche. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Tagoev. Conti. Qui a un peu d'espace. Martial. Conti. Pour trouver la faille dans la défense. Zagoev. À la régulière, il est battu. Joli tacle. C'est joué long. Attention. Moses. Soldado. Moses. Il joue dans l'espace. Un bon ballon dans la profondeur. La tentative de centre. Oh, le bon timing de la tête. Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. C'était bien vu d'attaquer le ballon comme ça. C'était la bonne idée. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. C'est une remise en jeu. Il glisse le ballon en profondeur. Pas de hors-jeu, il y va. Et un bon centre dans la surface. Il n'arrive pas à tirer. Il ne se pose pas de questions. La passe dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Il a tenté, bien joué. Ça sent la frappe. Il tente de la jouer dans l'espace. Tagoev. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, la frappe. Et il trompe le gardien. Et il compte maintenant deux buts d'avance. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. But d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Le break est fait, ils vont pouvoir souffler un peu et envisager le split avec un peu plus de sérénité. Isla. Oh, le bon ballon. Le centre. La frappe. Aucun danger pour le gardien. Oh, que c'est dur, c'était une occasion en or. Van Persie, la relance côté droit. Quelle inspiration! Il est à distance de tir. Ayou va-t-il en profiter? Fenerbahçe qui récupère ce ballon.
Le jeu repart vers la droite. Voici Valbuena. Il est passé. Dans la surface. Ça peut faire mal. Et le cadran se dérobe largement. Oh, il va s'en vouloir. C'était une grosse occasion. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. C'est directement récupéré. Ça joue à gauche. Moses. Ça bouge côté gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait ça. Il tire. Bien repoussé par le gardien. Il s'en sort bien le gardien là-dessus après avoir laissé échapper le ballon. Mateus. Tagoev. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Le long dégagement du gardien. Valbuena qui cherche à construire. C'est joué derrière. Ayou à droite. Il allonge. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, on dit qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et pourtant, tous les joueurs que je connais préfèrent gagner. C'est drôle, non? On est malheureusement obligé de se quitter maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé, des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. C'est bien donné. Oh, c'était dangereux, quel geste! Galatasaray qui peut avancer, allez. C'est bien fait ça. Ça ne passe pas. Et ils vont effectuer cette touche. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Attention à ce centre. La défense bien présente. L'ouverture lumineuse. Beaucoup de tension dans cette zone. Énorme occasion! Bien joué ce tacle. Bon dégagement. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir.
Rossi. On s'observe, on se jauge, mais c'est logique en ce début de rencontre. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Et il est sorti du jeu. Feghouli. Ça manque vraiment de clarté. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Galatasaray qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Un peu d'air. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, voici Feghouli. Il préfère jouer avec son gardien. De Rossi. Il a stoppé l'attaque adverse. Feghouli. Fernando. Pas d'évolution au score. Toujours 0-0. Belanda. Qui choisit le côté gauche. Le ballon sort du terrain. Petite faute là. La passe dans la profondeur. C'est dégagé. Le centre. Attention! Heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. Galatasaray cherche l'étincelle. Marlon qui récupère le ballon. Il était temps pour trouver la faille dans la défense. Et le drapeau s'est levé en jeu. Ils se sont mal compris. Quel mauvais timing! Le gardien loin devant. Diagne! Oh, le bon ballon! Il est tombé sur plus fort que lui. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Ce sera une remise en jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Martial, il a de l'espace. Il prend sa chance. Le but. Yes, 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 yes. Oh, quelle efficacité incroyable. Regardez, quand le centre arrive, il sait ce qu'il va faire. Il le fait à la perfection. Bravo. Et ça fait donc 1-0. Fais le break. Bien servi. Ça joue à gauche. Il est passé. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Le jeu repart vers la droite. Voici Feghouli. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Oh, voici Philippe Coutinho. Va-t-il en profiter?
C'était un joli tacle quand même. Diagne. Un ballon intéressant. Il est bien placé. Une longue passe. La longue passe, il peut en profiter. Mariano. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes fluides. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Réussi jusqu'ici. Et le ballon a franchi la ligne. C'est joué long, attention. Un centre encore. Celle-ci était trop longue. Dagoev. Marlon. Qui a un peu d'espace. Cette possession un peu stérile. De Rossi. En retrait pour repartir proprement. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, voici Philippe Coutinho. Dagoev. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Et ce ballon sur l'aile. Galatasaray qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Galatasaray qui essaye de construire. Fernando qui choisit le côté gauche. Faut que ça va partir vite. La passe dans la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Le long dégagement du gardien. Pour trouver la faille dans la défense. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Fernando. Dites-moi Darren, votre sentiment sur cette rencontre? C'est toujours accroché, mais il devrait se mettre à l'abri. Il joue dans l'espace. Van Persie. Il a trébuché sur cette intervention. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est joué long, attention. La passe est précise. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. De repartir de derrière. Belanda. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux pour trouver la faille dans la défense. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, il a bien vu son coéquipier. Il glisse le ballon en profondeur. Il est sorti du jeu. Galatasaray qui procède à un autre changement. Le bon dribble. Joue à gauche.
premier sur ce ballon. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Va-t-il en profiter? Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Non, il était hors jeu sur cette passe. Alors là, ça s'est joué à un cheveu. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le bon dégagement. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Toujours un petit but d'écart à quelques minutes de la fin. Le ballon dans la profondeur. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Van Persie qui écarte le jeu. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. C'est bien fait ça. Il s'est récupéré facilement. Il va falloir qu'ils se réveillent, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. La passe dans la profondeur. Quelle occasion, attention! Oh, but! Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! On est au bout du temps réglementaire, on se dirige tout droit vers la prolongation. Aucune des équipes n'a su faire la différence, c'était très disputé, on a quand même passé un bon moment. Et on va devoir patienter encore un peu jusqu'à la prolongation maintenant pour connaître le vainqueur de cette rencontre. Et les joueurs ont déjà donné le coup d'envoi. Ah, ce but, il fait mal, ils sont à égalité maintenant, il reste très peu de temps à jouer. Pour le contre, l'arme fatale. Il tente de la jouer dans l'espace. Van Persie. Et oui, but! Oh, ça! Ça pourrait être un but décisif. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. Ils ont pris l'avantage. Il faut continuer maintenant. Martial qui récupère ce ballon. C'est joué long, attention. Il est passé. Il peut frapper. Aucun danger pour le gardien. C'était bien tenté. Ils étaient deux sur lui quand même. Mitroglou. Il enchaîne les dribbles. Ce sera un coup franc. Et il est sanctionné. Carton jaune. Galatasaray qui compte maintenant deux joueurs avertis. Trouver la faille dans la défense. Il joue dans l'espace. Oh, le bon ballon.
Le duel avec le gardien. Oh, la frappe! C'est au fond des filets! C'est peut-être un pas de géant vers la victoire. Alors là, chapeau! On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Deux buts d'avance, ça fait du bien. Oui, on les imagine un peu plus sereins. Martial qui est récompensé de son pressing. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. Il est bien placé. Un centre tendu à ras de terre. Ça passera sur le côté. Pour trouver la faille dans la défense. Le centre. Ça peut faire mal. On est à la moitié de cette prolongation. Rien n'est fait dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 dernières minutes. Il y a de plus en plus d'espace. C'est reparti, la tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. Alors, qui va s'imposer au final? Le prochain but, en tout cas, sera sans doute décisif. Fernando. C'est le Soukinan. Mariano. Pour Mariano, c'est joué long, attention. Il joue dans l'espace. Le ballon sort du terrain. La passe en retrait vers son défenseur. Belanda. C'est joué long. C'est le Soukinan. C'est une faute, l'arbitre intervient. Quelle passe! Oh, Van Persie! La passe dans la profondeur. Ah, ça n'a pas pu aller plus loin. Le gardien loin devant. Bonne lecture de la trajectoire. Belanda. Là, il y a un vrai engagement. Merci. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la surface. Ça joue long vers l'avant. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Toute victoire est belle et celle-là va faire beaucoup de bien à cette équipe.